Je suis Bruno Sapp, je suis le responsable de l'ingénierie avancée et de la recherche au sein du groupe Massey Ferguson à Beauvais. J'ai commencé à travailler sur le Massey Ferguson 8S à partir de 2007, c'est-à-dire très peu de temps avant le lancement du Massey Ferguson 8006 qui est sorti en 2009. Et puis très vite en parallèle, on a fait aussi des customer clinics, on a fait des rencontres clients, lors de Vision of the Future, on leur a présenté des concepts de cabine. On a travaillé avec les gens du marketing, du SAV, des ventes, de l'engineering, bien sûr, et même des gens un peu extérieurs au milieu agricole. Et on a fait des réunions de brainstorming, on a travaillé sur quel serait le tracteur du futur pour les années 2020. Donc ça, c'était à peu près en 2012 où on a travaillé sur ces projets-là. Et puis, on a, lors de Customer Clinic et lors de Vision of the Future, on a rencontré des clients, des agriculteurs. Et j'ai notamment rencontré une Suédoise qui m'a demandé, qui m'a dit « Votre tracteur, il est chouette, votre concept est chouette, mais moi, ce que je voudrais, c'est une family cab. » Donc, quand on a travaillé autour de cette cabine, on a pensé à cette contrainte de famille et de pouvoir avoir de l'espace pour emmener du monde. Alors, bien sûr, on a un siège passager, mais à la rigueur, en aménageant un peu, on pourrait avoir un deuxième espace pour un deuxième enfant, si on voulait. Et donc, quand on travaille sur le design, on travaille... d'accord sur un aspect style extérieur, mais on fait aussi surtout du design industriel. Alors du design industriel, c'est quoi? C'est de répondre à la demande client, tout simplement. Et pour répondre à la demande client, on rencontre des agriculteurs, on écoute un petit peu, enfin on écoute tout ce qu'ils voudraient sur cette future cabine. Et puis, on travaille autour de notre utilisateur pour dessiner toute la cabine autour. Et donc, quand on a commencé, je n'ai pas commencé par dessiner une cabine. Moi, j'ai commencé par placer un utilisateur au meilleur endroit qui soit par rapport au tracteur. Alors, pas trop en avant, parce que sinon, on ne voit rien à l'arrière. Pas trop en arrière, parce que sinon, on ne voit rien à l'avant. Et donc, j'ai essayé de placer mon utilisateur de manière à ce qu'il soit à sa place optimale par rapport à la visibilité avant et arrière. Et à partir de ça, on a travaillé sur... le design complet de la cabine en intégrant un vrai siège passager avec un passager. Donc on a dessiné la cabine autour du conducteur et du passager. On ne s'est pas dit après, il faut mettre un passager et puis on a des problèmes au niveau des épaules, la tête, etc. Donc on a dessiné tout dans cette globalité. À partir de ce moment-là, on a commencé à dessiner une cabine qui intègre ces aspects d'espace. Et donc, le fait, par exemple, que le pare-brise soit incliné vers l'avant, c'est un effet différenciant par rapport à la concurrence, en effet. Mais ça permet surtout d'avoir une très bonne visibilité sur l'avant, puisqu'en fait, la barre du bas se retrouve un peu en arrière et ça donne une visibilité sur les roues avant. Alors, donner de la visibilité sur les roues avant, ça paraît anodin, mais pour moi, c'est très important. Parce qu'on s'aperçoit que quand on voit comment les roues travaillent sur le sol et roulent sur le sol, on prend conscience de ce qu'on est en train de faire à notre sol. Et si on patine, par exemple, à 20 ou 30%, on voit que ça glisse et on voit que la terre se déchire. Et on sait très bien qu'on est en train de massacrer son sol. Donc ça, c'est une première chose très importante, c'est de pouvoir voir les roues avant et d'avoir un vrai acte agronomique en termes de traction. Une deuxième chose, c'est que on s'aperçoit aussi qu'on a des tendances agronomiques et sociales qui évoluent. Et par exemple, avec la réduction des herbicides et des pesticides, on effectue de plus en plus de binage. Et du binage, ça nécessite d'avoir de la visibilité sur les roues avant dans son rang. Alors bien sûr, on a du RTK, on a du guidage, etc. Parfois, une perte de signal nous fait dévier le tracteur. Et puis, le fait de voir ces roues, on voit tout de suite que on est en train de sortir du rang et on peut rétablir tout de suite la direction. Donc, c'est des choses comme ça qui évoluent aussi. Et je pense que notre tracteur est dans l'air du temps
pour toutes ces nouvelles technologies en relation avec la réduction des pesticides. Alors après, quand on a fait notre design de tracteur, l'idée aussi, c'était que le design soit percutant extérieurement vis-à-vis de la concurrence. Quand on regarde les tracteurs des années 70-80, on avait vraiment un design de cabine très prononcé par rapport aux tracteurs des années 2000 où on a des montants de cabine noires. Et si on change simplement la couleur de la cabine, c'est du toit et des ailes, c'est simplement ça les différences qu'on a entre les différentes cabines des différents concurrents. Et nous, l'idée, c'était quand même de faire un design en rupture par rapport à ça. Et c'est pareil, quand on revient sur les tracteurs des années 70-80 avec un design fort, on prend un Massey Ferguson série 2006, un Massey Ferguson série 3006, on avait la cabine gris métal. Et cette cabine-là, ben, c'était vraiment la cabine Massey Ferguson et elle ne ressemblait pas du tout à toutes les cabines concurrentes. Et donc, on avait vraiment un design fort. Et l'idée, c'était de revenir à un design fort comme ces tracteurs-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une cabine de couleur grise sur la nouvelle série 8S. Après, le design, c'est l'intégration des fonctions. Quand on commence à dessiner une cabine, on pense conducteur, on pense passager, on pense visibilité avant, arrière, mais aussi le design dans les détails. Les détails, c'est les essuie-glaces, par exemple. Devant, on a un vrai essuie-glace à parallélogramme. On n'a pas mis un essuie-glace à la fin de la construction de la cabine en se disant où est-ce qu'on va le caser, comment on va le faire, etc. On a fait un vrai essuie-glace avant. Et à l'arrière, c'est pareil, on a mis un vrai essuie-glace avec le moteur électrique intégré dans le toit. C'est un petit détail, mais quand on se retourne et qu'on a le moteur électrique dans la vue, quand on est en train de suivre la moissonneuse-batteuse à la moisson, ou en débardage de betteraves, eh ben, on se dit qu'il n'est jamais bien placé, ce moteur électrique. Et le fait qu'il soit intégré dans le toit, eh ben, on n'a plus ce problème-là. Et ça, c'est un design réussi. C'est de l'intégration de fonctions dès le début. Et donc, ça, c'est dans tous les détails. Le but a été de travailler sur ces éléments de détail. L'idée du design du 8S, c'est d'intégrer le capot au châssis et d'avoir une continuité entre les lignes du capot et le châssis pour avoir un bloc compact. Et un design réussi, c'est l'intégration de toutes ces composantes, du relevage avant, des réservoirs, des ailes et de la sortie d'échappement. Donc on a travaillé énormément là-dessus. Après, sur le travail de la visibilité, on a volontairement mis un gap entre la cabine et le capot. Alors ce gap-là, il sert à plein de choses. Il sert déjà simplement à mon essuie-glace, à parallélogramme. Il sert aussi à isoler le moteur de la cabine en termes de son, en termes de bruit intérieur cabine. On a une meilleure isolation. Et puis c'est tout simplement pour avoir de la visibilité. Je prends l'exemple de ma feuille, d'une feuille A4 par exemple. Si on vous met une feuille A4 à 20 cm du nez, ou si on vous la met à 1 mètre de distance, c'est toujours la même taille, mais sauf que l'impression de visibilité est complètement différente. Donc le fait de mettre ma feuille A4 et mon capot le plus loin possible de mon conducteur, de l'œil de mon conducteur, ça me dégage ma visibilité sur les roues et sur les côtés. Et c'est ça qui donne une sensation aussi d'espace au tracteur 8S. Et puis, donc, bien sûr, ce tracteur 8S est le premier d'une lignée et tous les futurs modèles seront issus de la même ADN avec les mêmes critères en termes de visibilité, en termes de design que le tracteur 8S.